premier stage avec les nouvelles promotions des équipes alpinistes, les garçons, à Chamonix. L'objectif du stage, c'est de réviser un peu tous les fondamentaux qui nous semblent essentiels en matière de sécurité. Une première journée consacrée à la sécurité sur glacier, sauvetage crevasse, encombrement sur glacier. Okay, donc on va planter les skis perpendiculairement à l'axe de traction. Assez profond, enfin, carrément à la pelle. Là, vous pouvez faire un renvoi ici, ça fait un petit mouflage. Et vous tirez comme ça. Une deuxième journée sur l'assurage en mouvement, encordement court, encordement long, arriver à être rapide, efficace et sécurite. Adapter son encordement en fonction du terrain. Pour ça, bah, l'arrêt des cosmiques avec des conditions pas terribles, mais qui étaient du coup intéressantes. Ça, on a ajouté une approche de l'orientation, une approche aussi sur la médecine d'urgence en montagne et une approche sur l'entraînement au sens large, sur la préparation pour l'alpinisme. Fini donc à la bibliothèque de l'ENSA pour commencer à regarder ben, les projets d'expédition et les prochains stages. Donc il y a pas mal de projets sympas en cours. Donc l'idée c'est d'arriver à recueillir le maximum d'informations sur les projets d'expé. Au final, c'est peut-être pas le stage le plus exotique qu'on va faire, mais c'est un stage qui est fondamental puisque on remet vraiment à plat toutes les techniques de sécu et puis ça permet aussi au groupe d'apprendre à mieux se connaître et de construire ensemble les projets pour les prochains stages et les expéditions.